Acte 1, au café de Camille. Alors, Augustine, tu arrives? Il y a les patates à éplucher. J'arrive. Je lavais les casseroles. Je peux pas tout faire. Je reviens de la place de grève où on m'a raconté. Si tu savais. L'horreur, papa, c'était l'horreur. Une rumeur qui a fini par un carnage. Pauvre boulanger, toujours soupçonné de cacher des pains. Faut pas écouter la rumeur, elle va toujours au plus offrant. Tu étais au courant? Eh oui, pauvre François. Tout ça pour 4 pains qu'il n'avait gardés pour ses garçons à sa famille. Que le mensonge court vite quand on les ventres sont vides. Non, on peut avoir le ventre vide et ne pas être cruel. Quand j'ai faim, je tue pas. Il avait besoin, ce brigand, de forcer la femme du boulanger à embrasser la tête coupée de son mari? Non, c'est pas un ventre vide qui a fait ça, c'est un assassin, c'est un vilain qui a profité de la protection de la foule pour vomir sa haine de tout, du monde, de lui. La foule peut devenir tyran. Elle n'a rien fait pour l'empêcher. Allez, va servir là, le monsieur. Le citoyen ne te déplaise. Va servir le citoyen. Bonjour, citoyen. Excuse mon père, mais ta tenue n'est pas celle d'un homme du peuple. De quelle sorte est donc ma tenue? Pour sûr, pas d'un aristocrate, peut-être un homme instruit qui a quelques places dans un ministère ou un office. Notaire, avocat, marchand. Avocat, citoyenne. On peut être bien apprêté et être du peuple. Vous avez du café? Bien sûr. Il n'y a pas qu'au Procope qu'on sert du café. On le sait faire ici. Le chocolat aussi. Un café me suffira. Augustine va chercher le café et le rapporte à la table du client. On est bien seul dans votre café, où sont les clients? Au travail, chercher de quoi nourrir la famille. Ils arrivent plus tard, c'est trop tôt. Et moi, je suis quoi? Un homme qui boit, et qui me regarde un peu trop. Je ne bois pas, j'oublie. Arrête, Jean. Ne deviens pas comme l'Auguste qui, à lui seul, fait vivre tous les vignerons de Bourgogne. Pas très gai, le citoyen avocat. Tu ris quand tu te brûles? Ignorant Jean, le citoyen répond à Augustine. Comment t'appelles-tu? Augustine. Je t'ai entendu, Augustine, dire du mal de celui qui a pendu le pauvre François. Oui, il a eu tort. Mais le peuple n'avait-il pas raison de dire sa colère? Tuer sans preuve, c'est pas de la colère, c'est de la haine gratuite. Une envie de tuer pour tuer. Obliger sa veuve à baiser la tête de son mari mort, c'est impardonnable. La foule de la place de grève qui assistait à cette horreur n'était déjà plus celle qui était partie de la boulangerie. Beaucoup ont crié à mort qui n'étaient pas présents au départ. Ils ont cru sans savoir. Ceux qui sont arrivés en cours de cortège étaient encore plus méchants que ceux qui étaient partis de la boulangerie. Tu es sévère pour le peuple. Le peuple est toujours bon, sauf quand il est trompé par des fripons. Cet assassin était un fripon. Jean. Cet assassin était couvert, protégé par la foule. Sans la foule, il n'aurait pas eu le courage de tuer. Camille. Viens ici, Augustine. Augustine revient vers son père. Tu es folle de dire ces choses devant un étranger. Et s'il te dénonce, tu ne sais pas qui il est. Dis comme lui et fais ton travail. Ne t'engage pas. Quand on tient un commerce, on est d'accord avec tout le monde. Transparent. Ah non! On verrait à travers moi, ça non! Tu sais bien ce que je veux dire. J'aimerais bien voir s'il me fait du tort. Je me défendrai. Laisse tes idées dans ta poche. Il te sonde. Je dois aller chercher du vin. Je reviens dans une heure. Promets-moi de faire ton travail, que ton travail. Oui, va. Camille sort, Augustine revient à la table de Maximilien. Un autre! Le dernier! Vois, citoyen, comme elle prend soin de moi, le dernier! Mon père a peur. Il croit que tu es un espion pour savoir qui conspire. Assure-toi, je ne suis pas un espion. Jusqu'ici, tu n'as rien dit contre la Révolution. Pourquoi? Si j'avais dit du mal d'elle, tu m'aurais dénoncé? Alors, ton silence dit tout. Je me tairai. Au contraire, parle. Tu es libre, je m'engage. Si on doit faire attention à ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas libre. Quand la révolution sera terminée, on pourra tout dire, puisque les conspirateurs seront exterminés. Oui, à Pâques ou à la Trinité. Bientôt, je te l'assure. Mais tu as protesté quand je t'ai dit que le peuple est bon, pourquoi? Ta parole, que tu ne m'en tiendras pas rigueur? Parole. Pour qu'il soit bon, encore faut-il qu'il existe. Il n'y a pas de peuple, il n'y a qu'un troupeau. Il y a peut-être des peuples, et dans chaque peuple, il y a encore des petits peuples, avec des envies, des idées, des passions différentes, mais tous ces plusieurs ne font pas un. Tu t'exprimes mal.
mais tu te fais comprendre. J'ai pas été à l'école, mais je me débrouille. Une fille va pas à l'école. Elle est bonne qu'à se marier. Bont, Bont, viens ici. Mais où est ce chien? Jean. Comment tu l'appelles? Bont. Qu'est-ce que c'est, Bront? Maximilien se tourne vers le troisième homme au chapeau qui se lève et va s'asseoir près de Jean. Il lui susurre à l'oreille quelques mots. Jean. Oh là, ouh! Il se redresse et passe ses deux doigts devant sa bouche. L'homme se lève et va se rasseoir. Jean se met à rire dans sa barbe. Oh la vie, que tu es drôle! Oh, oh, oh. Calme, Jeannot, calme, laissons aller les choses, tout doux, tout doux! Maximilien. Et tu n'es pas marié? Jean commence à mimer un violoniste. Non, les hommes ne sont pas très délicats et puis j'ai trop de choses en tête pour passer derrière les fourneaux. Délicats? Le nombre d'hommes qui sont gentils au début et qui te frappent après, il y en a. Alors quand tu dis que le peuple est bon, il y a de tout dans le peuple, le meilleur et le pire. Je le connais, le peuple. Je le connais comme je connaîtrais chaque brin de paille dans une meule. Et quand la foule s'amasse quelque part, il peut sortir le meilleur comme le pire. Ce qui s'est passé pour le pauvre François. Non, le peuple, c'est rien que de la mélasse. Décidément, ce François... D'abord, on a eu le mépris des aristocrates, devant qui on devait s'écarter, et maintenant, on a les excès de la foule. Avant, on n'osait pas dire ce qu'on pensait des aristocrates, et maintenant, on n'ose pas dire ce qu'on pense de la Révolution, de nos députés. Tout ça aura une fin, et la justice triomphera. Chacun œuvrera pour le bien public, et plus pour son intérêt personnel. De l'intérêt personnel, il en faut, il sera toujours là. Au café, on travaille pour nous. François a gardé 4 pains pour lui et sa famille. Et ils lui ont reproché. S'il les avait donnés, comment il aurait fait manger sa famille, hein? Oui, faut de l'intérêt personnel. Encore François. Ne pense plus à lui, regarde plutôt ces femmes qui ont ramené le roi à Paris. N'étaient-elles pas belles et leur marche grandiose? J'y étais. Tu y étais? Oui. Mais alors, tu es une bonne citoyenne. Je suis surtout une bonne curieuse. Comment? J'aime savoir, j'aime connaître. J'y suis allée pour savoir le pourquoi et le comment. J'ai pris le train en route, et pourtant il pleuvait. Voilà le peuple en marche, et il a su ce qu'il fallait faire, ce qui était bon pour lui. Je sais pas, en tout cas elles ont ramené le roi au milieu des Parisiens. J'ignore qui a pris cette décision, Lafayette, les femmes, les meneurs, les députés. Je saurai jamais, je ne pouvais pas être partout. Toute la nuit j'ai parlé aux gens, j'ai tout entendu, tout et son contraire. Oui, il y avait des meneurs, non, c'est nous les femmes des halls qui avons décidé. Certains ont vu des hommes déguisés en femmes, moi... Mais c'est possible. Comment sais-tu ça? J'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Au début, qui les a rassemblés au hall? La faim? Les meneurs? Les deux? Le nombre a attiré le nombre, et puis on ne sait plus qui le premier a crié « À Versailles !» Mais quand on a faim, on va où les plus brillants vous entraînent. Il suffit qu'une grosse voix crie pour lancer le chahut. La foule fuit souvent les plus braillards, ceux qui savent parler. La foule est une volée de moineaux qui va où le vent l'emporte. La foule, oui, mais pas le peuple. Il ne se trompe pas. Dis-le, peuple, pas la foule. La foule, c'est bas. Moi, je dis la foule. Le peuple, c'est un mot sans la chose. Que veux-tu dire? Oh, j'ai pas ton instruction. Le mot « un homme » a une chose qui existe, regarde. Mais une licorne, c'est un mot qui n'a pas de chose. Tu veux dire que le peuple est une notion fictive? C'est quoi, fictive? Imaginaire. Voilà, si tu veux. C'est comme... Pourquoi es-tu si obstiné? Le peuple, ce sont les gens qui n'ont rien d'autre que leurs bras pour travailler. Et quand ils ont faim, ils crient leur colère. Ce sont les plus malheureux. Ça, c'est les pauvres. Les miséreux, pas le peuple. Les miséreux, c'est un mot qui a une chose. Mais le peuple, non. C'est futile, machin, chose. Je connais qu'un homme à la fois. L'un est gentil, l'autre méchant. L'un bête, l'autre éveillé. L'un riche, l'autre pauvre, honnête, malhonnête. Trousse-jupon, respectueux, courageux, lâche. Si tu te fies à la bonté du peuple, tu seras vite déçu. Toi, tu fais du peuple un dieu. Moi, j'ai jamais rencontré un dieu qui a tant de défauts. J'ai jamais été violé par Dieu, mais par le Jacques de la rue du Puy, oui. Non, citoyen, avec ton bon peuple, tu t'appuies sur un sol qui se dérobe. Décidément, quand tu as quelque chose dans la tête, tu t'y tiens. Mon père m'appelle Matagne. Et que penses-tu de ces femmes qui sont allées voir le roi? Des miséreuses qui avaient faim. Voilà le peuple. Je me souviens de tout. Mais j'ai pas tout vu. J'ai juste vu, au loin, Marie-Antoinette arriver en robe de chambre, affolée, échevelée, vieille déjà. Elle était comme nous. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il n'y avait plus de roi.
Il n'y avait plus rien entre le roi et nous. Pfft ! Je me suis sentie un peu perdue. Je me suis dit, s'il n'y a plus de roi, mais comment la foule va pouvoir commander vu qu'on veut tant de choses différentes ? Avec trois doigts, on a battu un chêne vieux de 8 siècles. Il n'est resté que le peuple. Elles ont été stupéfaites de s'être avancées si proche du roi. Pourquoi tu dis « elles » et pas « nous » ? Parce que j'étais là pour voir et entendre. Et puis, ramener le roi à Paris, je sais pas qui a décidé ça, mais l'idée a plu. Avoir un tel pouvoir, elle si petite, si misérable. Garder le roi entre les murs de Paris. N'est-ce pas beau ? Beau, je ne sais pas. Mais émouvant, oui. Mais le roi n'a pas été à la hauteur. Et voilà où elles en sont aujourd'hui. Un gâchis. Elle, toujours elle. Tu t'exclus. J'étais là en curieuse, pas en affamée. Avec le café, on mange à notre faim. Je n'ai pas d'enfants à nourrir. Je suis privilégiée, moi. Ce n'est pas seulement de pain dont elles avaient besoin, mais aussi de liberté, d'égalité, de droit. Jean. Quand elles auront faim, on leur donnera à manger tes discours. Maximilien se tourne vers Jean. Tais-toi, impertinent, tais-toi, sinon je te mets dehors. Pardonne-lui, il a bu et ne sait plus ce qu'il dit. Tu sais lire au moins ? Un peu, mais juste un peu. Je lis bien, mais écrire, j'ai vite mal au poignet. J'ai essayé de lire Le Père du Chêne, c'est dur. Et puis c'est écrit par des gens instruits qui disent des mots compliqués. Ah, foutre, c'est sûr, je sais le dire. Il l'écrit si souvent. Foutre, 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 il n'a que ce mot à la bouche. On dirait qu'il passe son temps à... Enfin, tu me comprends. Jean fait un geste de la main non équivoque et Augustine, par une mimique de reproche, lui intime l'ordre de cesser de l'importuner. Entre Camille. Il s'immobilise alors que sa fille se lève brusquement. Elle revient aux zinc. Camille. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Il n'est pas mauvais, il me parle sans haine. Toutes tes paroles seront retenues. Un jour, elles te seront reprochées et il te fera jouer à la main chaude. J'ai rien dit de mal. Je me suis montrée bonne républicaine. Tu sais son nom ? Augustine se dirige vers Maximilien. À qui j'ai l'honneur de parler, citoyen ? Maximilien. Maximilien Robespierre. Jean éclate de rire. Il relève la tête et se tourne vers Maximilien. Ah, je t'avais pas reconnu. J'ai entendu parler de toi. Quand je sors le soir, je n'ai pas ma perruque. On dit que tu es proche du peuple. Non, je ne suis pas proche du peuple. Je suis le peuple, oui. Cette volée de moineaux qui va où le vent les porte. Moi, le vent ne me fait pas plier. Oh, je t'ai blessé quand j'ai dit que le peuple n'existait pas. Oui, mais je ne t'en veux pas. Je sors rarement. J'aime parfois écouter ce qui se dit hors de l'assemblée, incognito. Et alors, tu as conclu que je suis bonne citoyenne ou pas ? Citoyenne, oui. Bonne, sans doute. Étrange, oui. Étrange en quoi ? Tu raisonnes. C'est un crime ? Pour une femme, c'est étrange. J'ai connu des femmes qui raisonnent. Je m'en suis toujours méfié. Mais pourquoi ? Elles sont hors de leurs frontières. Une femme, c'est une muse. C'est quelqu'un dont j'attends qu'elle m'inspire, qu'elle me conseille. Oui, qu'elle te complimente. Détrompe-toi. J'ai à Arras reçu à l'académie une femme de talent, une femme savante. Je lui ai même écrit une réponse à son mémoire. Pour moi, les femmes ont autant de talent que nous. Mais elles doivent avoir l'élégance de n'en point trop faire étalage. Elles sont destinées à des tâches bien plus hautes. Oui, tu élèves les femmes si haut que, de là-haut, elles ne peuvent plus se faire entendre. Accrochées au ciel, elles ne t'embêteront pas. Que tu es ironique. Tu ne sais pas écrire, mais tu sais manier la trique du verbe. Tu prêtes le flanc à mes coups de trique. Une muse, c'est flatteur. Mais tu dis muse pour mieux me museler. Muse et muselée n'ont pas la même racine. Pour les racines, je m'en fiche. Pourquoi te rebelles-tu ? Quand on me dit de me taire, je sors les griffes. Tu es un cheval sauvage, je comprends que tu ne sois pas marié. Qui te voudrait ? J'enlève le doigt. Mais revenons au peuple. Le peuple sait ce qui est bon pour lui. Mais il y a des fripons qui font tout pour l'écarter du droit chemin. Je vois que tu n'as pas lu Rousseau et son contrat social. Lis ce livre et tu comprendras ce qu'est l'intérêt général, si tu sais lire. Jean ? Ouh, ça va chauffer. Ouh, l'imprudent qui tente Augustine tente le diable, citoyen. Maximilien. À qui ai-je l'honneur ? Jean de la Musardière. Noble ? Non, j'habite une masure qui s'appelle la Musardière, près de la Contrescarpe. Tu n'as pas peur de te nommer ainsi ? Si, mais je vis ainsi. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Ton métier ? Horloger, sans travail. Actuellement, chanteur des rues. Faut bien vivre. Rentre, Jean. Il est tard et je te connais quand tu as un peu bu.
Soit, puisque madame le veut, c'est la patronne, enfin, la fille du patron. Et je ne voudrais pas importuner le citoyen député, grand pourfendeur d'injustice. Je sens quelque ironie dans ton propos. L'ironie est l'antichambre de la colère, c'est pourquoi sur ordre de madame, je m'en vais. Je craindrais d'être importun vis-à-vis du peuple. Oui, va, va, tu as bu et tu te connais. Tu es chez toi. Et que chantes-tu? J'improvise au gré de ma fantaisie. Voici une chanson que je n'ai pas encore mise en musique. Je vais la composer tout en la fredonnant. Elle s'appelait Roseline, c'était ma petite sœur. Elle sentait bon l'aubépine, elle était un joli petit cœur. Elle servait une scie devant, du petit jour à la nuit, s'occupant bien des enfants, jamais ne leur renierait nuit. Mais un jour, un vil manant arriva cocarde en avant, s'approcha d'elle, le vit arrogant, pour la trousser, tout simplement. Roseline s'interposa, et c'est d'elle qu'on arrêta. Place de la grève, on l'emmena, et sa jolie tête, on lui coupa. Ah, ça ira, les aristocrates, la lanterne, ah, ça ira, et les serviteurs, on les pendra. Viens, Jean, viens, tu as bu, viens. Je suis triste pour ta sœur, mais vois, citoyen, moi, je me débats pour changer ce monde. Je suis triste pour toi, citoyen, mais vois, elle changeait les draps. Jean sort. Pardonne-lui, il a bu. Une histoire vraie? Oui, si vraie. Oui, c'est vrai. Et depuis, il n'est plus le même, il se moque de tout. Tu as peur? Je déteste quand les gens ont peur de moi. Nous parlons du peuple, sans roi. Il faut bien se reposer sur quelque chose de sûr. Qui va décider? Pas le peuple. Il aura un millier d'avis différents. Il faudra tout de même fonder sur le peuple. Le peuple, c'est trop vague et c'est pas une chose, je t'ai dit, c'est du rêve. Le peuple est un cheval fou qui piétine tout, qui ne sait pas ce qu'il veut. Pas de démocratie directe, c'est ça? Sans doute, peut-être trop difficile. Tu n'as pas assez lu. Tu vois les choses du fond de la vallée. Moi, je vois les choses de plus haut. Les sections, les clubs, assemblées de quartiers, n'est-ce pas là la voix du peuple? Les prémices d'une belle remontée des désirs? Oh, je suis allée une fois dans ces réunions. Il n'y a que des braillards et surtout ceux qui ne travaillent pas. Ou qui n'ont pas besoin de travailler, ou alors des passionnés prêts à tout pour faire valoir leurs idées. On décide par ovation, celui qui crie le plus fort a raison. Les exagérés ont toujours la voix la plus forte. J'ai essayé de parler, et on arrive. Il s'en est fallu de peu qu'on ne me chasse pas d'un coup de pied au cul. Ah, citoyen, tu es bien naïf. Quoi? Moi naïf? Moi naïf? Sais-tu à qui tu parles? Ils ont eu raison, tu dois rester à ta place. Que sais-tu? Alors? Je reste à ma place, les deux pieds sur terre, au fond de ma vallée. 14 deniers, s'il te plaît. Ça, c'est terre à terre. Ah, au Procope, c'est 13. Oui, mais la serveuse a moins de talent que moi. Envoie la 20, citoyenne, pour la conversation, pour ton audace et ton impertinence. Je vais de ce pas préparer mon discours pour la séance qui traitera de la déchéance de Louis Capet. Citoyen, je me souviendrai de vous. Sache que je me souviendrai de toi. Naïf, naïf. Maximilien sort. Tu vois, il se souviendra de nous. Tu vois dans quel pécrin tu t'es mise avec ce satané vice de vouloir avoir le dernier mot. Augustine, sois prudent, tu es trop intrépide. Robespierre est aimé de tous, on le craint déjà. Un homme ou une et tu es esclave, ou tu te rebelles et tu as une petite chance de te faire respecter. Lui, il veut trop qu'on l'admire. Là est son point faible. Augustine, qu'est-ce que j'ai fait pour faire une fille si imprudente? Comment? Maman était comme ça? Hélas. Tiens, je t'ai acheté le livre que tu m'as demandé, il y a un mois. Mais c'est tout pour cette année. Hein. C'est assez cher. Boissel, le catéchisme du genre humain. Oh, je lis si lentement que j'en aurai pour 3 mois. Quelles sont les nouvelles puisque tu es sorti? Le roi a fui, mais on l'a arrêté avant la frontière. Il paraît qu'il rentre demain. Alors c'est fini. Le roi aura tout fait pour qu'on bascule dans l'inconnu. Voilà pourquoi Maximilien l'a appelé Louis Capet. Il savait déjà. Diable! C'est que ça a des espions partout, ces gens-là. C'est pour ça que je te demande de te taire. Avec les clients, on ne parle pas de politique. Je parle de politique, moi? Non. Moi, je ferai attention. Tu as vu cet homme qui est parti après? C'était son garde du corps, bien sûr. Péronnel. Il te connaît maintenant. Tu crois qu'un homme comme lui se promène sans protection à Paris, en ces temps troublés? Je le reverrai plus. Il n'aime que les flatteuses. Tant mieux. Pourquoi les hommes ont peur de moi? Tu es trop libre. Libre et peureuse. Peur de quoi?
Tu es une biche qui se sauve dès qu'elle entend le cerf bramer. En somme, je suis une bête. Ton père est bien maladroit. Un jour, un cerf viendra. Il faudra qu'il ait la peau dure et des bois bien fournis. J'attendais un prince charmant, mais va pour le cerf. Tu sais, les princes en ces temps-ci, c'est pas la saison. Une pièce début, hein? Ouais. Ah, c'était un bon rythme quand même. Alors. Voilà, on est bon. Brunt, Brunt, ici. Au pied, Brunt. Citoyenne, as-tu vu un chien? Non, je n'ai pas, mais... Toi ici, l'impertinente. Oui, Augustine, citoyen président. Président? Tu n'es pas le nouveau président du comité de salut public, non? Je le fus, mais ne le suis plus. Mais ici, tu peux m'appeler citoyen. Tu n'es pas en exercice? Non, en promenade. Je te donne ma parole qu'ici, en cet instant, tout ce qui m'est dit ne sortira pas de l'espace qu'occupe ce banc. Parole? Tu m'offenses. Soit. Comment sais-tu que je suis, que j'ai été président? J'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Je vais partout où on parle de ce qui se passe. Te voilà patriote. Oui, mais pas de la même patrie. Je t'ai entendu aux Jacobins, je suis même allé au Cordelier, et je viens de la Convention. Je ne t'ai jamais vu. Je me cache toujours derrière une autre personne. Je me mêle aux tricoteuses. Je te vois et je t'écoute. Tu aurais fait une bonne publiciste. Publiciste? Journaliste. Ah, j'aurais aimé si j'écrivais mieux. Tu as enfin appris à écrire. Oui, j'écris plus vite. C'est bien assez pour écrire des lettres à la famille et prendre des notes sur ce que je vois. Ton père a accepté? A-t-il à me refuser de m'instruire? Toujours fille? Oui. Comment faire le tour des clubs, des sections avec un mari qui attend qu'on lui prépare à manger? Toujours hors des frontières. Je suis à l'intérieur d'une patrie qui n'a pas les mêmes frontières que toi, je te l'ai dit. Il n'y a qu'une patrie. Je parle de la patrie que chacun porte dans son cœur. Tu viens encore me dire ton désaccord. Tu as ma parole. Parle. J'ai besoin d'un sans-peur pour me parler. Comment être guidé quand tous me craignent? Tu ne t'en prendras qu'à toi. Pourquoi te craignent-ils? Parce que je me flatte d'être vertueux dans mes intentions et que toute ma vie a été consacrée au bien public. Jamais l'on n'a pu me corrompre. C'est bien possible. Tu crois être pur. Quel homme peut prétendre être un modèle de vertu quand tant de têtes tombent? Dans l'ombre, qui me dit que tu ne tires pas les ficelles? Seulement contre les fripons. Et puis, nous sommes 12 tireurs de ficelles, et plus, avec le comité de sûreté générale. Il me semblait bien. Tu es si pur que tu laisses les saletés à des hommes de main. Comment? Ce n'est pas possible autrement. Tu sais ce que tu dis? Tu m'as donné ta parole, et je te répète que je suis bonne patriote. Je ne veux plus de roi, mais je redoute le pouvoir d'un peuple sans barrière, livré à ses passions. C'est pourquoi je me bats pour que le fleuve du peuple regagne son lit, et que son cours naturel, flanqué de ses berges, le guide sans débordement intempestif. Le roi n'est plus là, mais sa place est toujours là. C'est un vide qui nous attire. Qui t'attire, non? À mon corps défendant, sans doute. C'est si difficile de maintenir l'équilibre des forces, sans cesse ballotté d'un côté et de l'autre. Tu mets le doigt sur ce qui est le plus difficile à faire. Comment traduire les grands principes en pratique? As-tu des idées? Une femme doit prendre garde de ne point trop montrer son savoir. Tu manies bien l'ironie. Non, je ne sais pas. Je ne suis qu'une serveuse. Mais je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce qui me fait peur, ce qui me fait frémir. Mon corps m'alerte chaque fois que je sens un danger. Depuis qu'un homme m'a prise de force, mon corps m'alarme au moindre danger. Je ne sais qu'une chose, c'est que la guillotine coupe les têtes, mais pas les idées. Une fois la tête coupée, les idées s'envolent, et nul ne sait qui les attrapera. Je n'aurais pas coupé la tête du roi. Et pourquoi? Parce que les têtes, ça repousse. L'hydre dont tu parles, c'est ça. Tu évoques une question difficile. Je vois bien que les têtes tombent et que les idées ne meurent pas aussi vite. La guillotine, c'est pour la peur qui immobilise nos ennemis. Et pendant qu'ils sont immobiles, nous agissons. Je crois sincèrement que mes idées sont estimables. Je n'agis pas par orgueil. Mes idées me dépassent. Elles sont plus grandes que moi et méritent des sacrifices.
Je t'ai déjà dit que tu as de belles idées, et pour la plupart, je les partage. Même l'impôt progressif, l'aide aux plus démunis, le suffrage universel. Moi, j'y ajouterai les femmes. Mais c'est vrai qu'on doit se satisfaire d'être des muses. Les femmes voteraient comme leur mari ou leur père. Inutile le vote des femmes. Ah, la première fois, oui. Mais la deuxième, la liberté, ça donne des ailes. D'abord, on vote comme le mari, et au deuxième vote, on le trompe et on met le nom qu'on veut. Ne deviendrais-tu pas une excessive ? Comme ces enragés des sections de Gravilliers, de la Société Fraternelle et des Cordeliers, de la Société des Femmes Révolutionnaires ? Oh non, pas de rage, ça ferait trop de morts. Non, le problème, Maximilien, ce n'est pas le roi. Celui-là était trop petit pour la charge qu'il avait. Non, le problème, c'est... C'est toi. Quoi ? Moi ? Qui ai tout donné pour la cause publique ? Qui ai sacrifié ma vie pour elle ? Sacrifier sa vie à une cause ne donne pas tous les droits. Que veux-tu dire ? Je veux dire que les belles idées, c'est comme les enfants. Un jour, il faut les laisser partir. Il faut les abandonner à d'autres, qui en feront que ce que bon leur semblera. Sans moi, elles se corrompront. Tu es le peuple, et le peuple ne peut pas se tromper. Donc, tes idées ne peuvent qu'être parfaites. Qui pourrait les contester deviendrait tout de suite suspect de complicité avec l'ennemi. Bien vite, tu feras de tes plus proches amis des ennemis. Je le vois bien. Au début de la Révolution, c'était surtout des aristocrates qui mouraient. Et maintenant, ce sont surtout des patriotes. Hélas, tout se corrompt. De l'hydre de la corruption poussent toujours de nouvelles têtes. Il arrive que des amis chers soient emportés par cette corruption. Que faire ? J'en ai conclu que peu importe la violence des moyens, quand les fins sont nobles. La violence est un cheval fou, qui un jour t'échappera et finira par piétiner tes plus belles idées. Les rênes, je les tiens bien fermes. Oh, je ne te le répéterai pas. Toi, tu devrais être un peu plus derrière le comptoir. Alors, tu me reproches mon goût de voir et d'entendre. Tu serais le seul à avoir marché en ligne droite depuis les états généraux. Tu n'es pas le seul patriote. Peu à peu, tu te méfies de tout le monde. J'ai assez travaillé et souffert pour me prévaloir de ce droit. Quand tu es esselé, que tu es en difficulté, je t'ai vu plus d'une fois parler aux tribunes, comme si tu cherchais leur soutien. Quand on me dit des âneries, je me réfugie entre les bras du peuple. Oui, j'en ai besoin, j'en appelle à lui. Tu le flattes pour mendier quelques applaudissements et impressionner tes adversaires. Non, je repose sur ce socle pour mieux tenir debout et porter la patrie. Oh, tu sais ce que je pense de ce roc. Il est mou comme de l'argile et il t'engloutira un jour. Tes idées sont belles, mais hélas, elles collent à toi. Elles sont ta deuxième peau. Te contredire t'écorche. Je sens autour de moi s'approcher la corruption. Elle est comme une horde de fantômes qui prend possession des corps des députés. Je croyais qu'en coupant la tête au roi, rien ne pourrait revenir. Et je ne vois pousser que d'autres têtes perfides. Je n'ai plus la force de résister. Je serai sans doute emporté. Que puis-je contre les fantômes ? À peine avons-nous frappé une faction qu'une autre faction veut en profiter et croit qu'on agit pour elle. Ils sont soit toujours au-dessus ou au-dessous. Je suis au centre de deux extrêmes, les indulgents et les exagérés. Et tous deux, sans le savoir, font le jeu de la contre-révolution. Ceux qui sont d'un génie ardent et d'un caractère exagéré proposent des mesures ultra-révolutionnaires. Ceux qui sont d'un esprit doux et plus modéré proposent des mesures citra-révolutionnaires. Et tous deux, sans le savoir, font le jeu de la contre-révolution. Comment faire ? Citra ? Tu emploies des mots compliqués pour me perdre. Ne profite pas de mon ignorance. Citra veut dire en deçà. Ah, je comprends. Ils sont tous plus hauts ou plus bas que toi. Et toi, bien sûr, tu te fais centre, le centre du bien, de la bonne mesure. Mais de quel droit tu te fais le centre, le porteur du bon équilibre ? Il n'y a que Dieu qui peut se dire le centre du monde, pas un homme, aussi vertueux fut-il. Pour une femme, tu ne raisonnes pas si mal. Tu aurais mérité d'être un homme. Moi ? Un homme ? Oh, Dieu m'en garde. Quand je vois ce qu'ils sont en train de faire, note que si les femmes avaient le même pouvoir... Elle ferait pareil. Ouais, je le crains. C'est pourquoi vous devez rester en dehors de tout ça. Oh, la belle répartie. Oh, quel argument vicieux.
Oh, la mauvaise foi! Nous sommes différents. Il faut bien que cette différence ait des conséquences. Ah, on a le droit de monter à l'échafaud, mais pas à la tribune de la convention. Tu plagies cette folle de Gouge, cette demi-mondaine, qui veut, je ne sais pas ce qu'elle veut, en tout cas, elle m'est hostile, et je ne supporte pas. Je plagie qui je veux. Arrête, Maximilien. Il faut savoir s'arrêter. Si la révolution marque le pas, elle recule. Nous sommes condamnés à aller de l'avant. Jusqu'où? Jusqu'au bout. Et c'est quoi le bout? Le bonheur. Une sorte de paradis sur terre. La fin de la misère. Du travail pour tous. Un feu dans l'âtre. De l'eau propre. Assez à manger. Je sais, c'est beau à imaginer, mais ce bout c'est comme l'horizon. À mesure que tu avances, il recule. Il n'y a pas de bout. Le bout ne peut être que le paradis. Et le paradis est au ciel après la mort. C'est sur terre que ce paradis doit advenir. Ce ne sera pas le paradis, mais le bien-être général. Tes paroles sont anti-révolutionnaires. Autant accepter toutes les injustices passées. Oh, je les ai combattues, même si je les ai combattues dans ma tête et pas sur une barricade. Mais passer d'une injustice à une autre, autant garder la première. Au moins, on y est habitué. Quelles nouvelles injustices? Tous ces morts. Ces innocents tout simplement parce qu'ils sont suspects, même pas coupables, juste suspects. Je te l'ai dit. Le but est si beau qu'il légitime quelques débordements passagers. Débordements? Débordements? Tu appelles ça des débordements? Je préfère un but moins beau et moins de débordements. Tu es une modérée. Tu n'as pas de passion. Quelle sentence pour les modérés? Ah, assez. J'en ai assez de tes insinuations. Sais-tu à qui tu parles? À un homme qui a tout donné pour le bonheur du peuple. Je me suis épurée. Et c'est à moi qu'échoua l'immense tâche de mener à bien cette terreur que je n'ai pas voulu, qu'on m'a imposée. C'est à moi que revient la mission de réparer toutes les sottises décidées par les exagérés, qui vont même jusqu'à nier l'idée de Dieu, de la Providence. Je passe mon temps à recoller, réparer, consolider, recomposer ce que des coquins détruisent, et ce pour leur propre intérêt. Oui, la terreur. Je l'ai reçu en présent, terrible présent. Je dois faire avec, mais je parviendrai à la domestiquer, car je me flatte d'être droit et honnête. Contrairement à d'autres, je n'ai jamais détourné de fond, et pourtant une rivière d'argent est passée devant moi. Jamais je n'ai plongé la main, alors que tant venait s'y abreuver, impunément. Je crois que le but peut être atteint. La vertu, sans quoi la terreur est funeste. La terreur, sans quoi la vertu est impuissante. Une fois couplée à la vertu, la terreur devient la justice prompte, sévère, inflexible, sans laquelle la vertu n'a aucune chance de l'emporter. Si tu pouvais cesser de parler de vertu, ferais-tu l'éloge de la corruption? Oh, non! Mais je sais que nous avons tous nos petites faiblesses, nos petites lâchetés, petites mais bien réelles. Mettre fin à tous ces abus. Voilà ma mission. Mission? Mais tu parles comme un prophète. Tais-toi, ne te moque pas. Ce n'est pas ma nature. Je souffre de cette position, mais nous sommes engagés dans un dédale d'où nous devrons sortir vivants. Plus de retour en arrière. Comprends-tu? Comprends-tu cela? Oui, je comprends. Mais comprendre n'est pas approuver. Il y avait un autre chemin moins escarpé, des gorges moins étroites. Que n'as-tu été là pour me les indiquer? Tu te moques. Je ne suis qu'une serveuse. Ma position est aisée, c'est ça? Ta position est celle d'une serveuse. La politique oblige à se salir les mains. J'ai voulu les garder propres et les éclaboussures sont arrivées jusqu'à moi. Se faire pur, sans ambition, c'est voir la corruption revenir sans cesse de l'extérieur et prendre empire même sur les amis les plus proches, qui, comme par enchantement, trahissent les idées qu'ils ont toujours adorées. C'est étrange. Plus je m'épure, plus le mal s'approche, prêt à me contraindre, m'envelopper. L'hydre, c'est la contre-révolution. La serveuse est tentée par une autre question. Comment, avec de si belles intentions, en arrive-t-on à maculer de sang toute la France? Avec de mauvaises, je comprendrais, mais avec des bonnes, liberté, égalité, fraternité. Tu sais, sur Terre, on s'approche de la vérité sans jamais pouvoir la saisir. Il faudra que tu supportes d'être un homme imparfait, mal fichu, faible et un peu immoral. Ta vertu cache sûrement quelques diableries que tu ne veux pas voir. Que tu es défaitiste. Comment faire la révolution avec tant de tiédeur? Jamais la passion ne t'a habité. La passion est souvent criminelle.
La tiédeur est moins avenante, elle n'inspirera pas le poète, c'est vrai, mais elle est moins meurtrière. Je ne suis pas un tiède. Sous mon allure austère, je suis un feu qui brûle. Ma vie pouvait être autre. La révolution m'a emporté comme une bourrasque emporte la feuille. J'ai mis mon talent et ma force de réflexion au service du bien public. C'est ça la vertu, rien de plus. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une force qui va et qui ne dévie pas. Si elle ne dévie pas, c'est bien par rapport à une route que tu estimes droite. Et qui peut prétendre être la règle qui dessine cette droite? Le droit chemin, qui le connaît? C'est une intime conviction. Mais il m'arrive de douter sur les moyens pour parvenir à ce bien. Voilà les premiers mots d'humilité que tu me dis. Je suis fatigué, épuisé. Ne vois-tu pas que je suis épuisé? Je suis épuisé par 4 années de révolution et par le spectacle accablant du triomphe de tout ce qu'il y a de plus vil et de corrompu. Quand on donne trop, on se vide. Comment aider les autres quand on ne s'aime pas? Quand on ne s'aime pas, il m'a manqué une parole, une seule parole. Celle d'un homme qui aurait pu avoir pour moi un regard d'admiration. Oui, on m'admire, mais je ne suis jamais assouvi par ses regards parce qu'il m'en manque un. Toi, tu l'as eu, ce regard. C'est pourquoi tu es si audacieuse. Tu n'as même pas peur du tyran. Fallait-il que ce regard fût d'amour? Je ne comprends pas. Trêve de confidence. Robespierre ne se livre pas. Il n'en a pas le temps. Il n'a que le temps de se donner et de s'abandonner à sa mission. Non. Quand on s'abandonne à ce point, et surtout qu'on le crie sur tous les toits, c'est suspect. Tu t'abandonnes, mais tu es toujours sur le devant de la scène à te regarder t'abandonner. Souviens-toi, Maximilien, j'étais là ce jour où un député t'a apostrophé. Ah, citoyen Maximilien, si au moins tu pouvais t'oublier. Il s'en est repenti. Ah, quick, c'est ça, quick. Pratique cette lame qui coupe tout ce qui dépasse. Rien ne doit dépasser. Tout ce qui n'est pas toi est contre-révolutionnaire. Facile. Le moindre reproche, c'est conspiration. Tiens, je suis étonnée que tu n'aies pas encore appelé ton chien. Pas Brunt, mais l'autre, qui emprisonne les imprudents qui te critiquent. J'ai donné ma parole que je ne te ferai rien, car je ne crois pas que tu sois de leur bord. J'ai enquêté sur toi. Ah, quand même. Et tu as appris quoi? Tu ne fréquentes personne de suspect. Mais tout le monde un jour fréquentera un suspect sans savoir qu'il est suspect. Alors il deviendra suspect du seul fait qu'à son insu, il a fréquenté un suspect. La peste n'avance pas autrement quand elle décime une ville. Bientôt il faudra emprisonner tout le monde. Ce sont les circonstances qui le veulent. La guerre à nos frontières suppose qu'on soit impitoyable. Nous devons combattre les ennemis du dedans comme les ennemis du dehors. C'est une tâche immense. Point d'indulgence. Tout le monde a peur de toi, et même les autres membres du comité de sûreté générale. S'ils ont peur, c'est qu'ils sont coupables. J'ai peur. Et vas-tu lever le bras pour appeler ton bulldog? Je sais faire la part des choses. C'est à la justice de juger de la culpabilité. Oui, une justice rapide et impitoyable. Tu es une femme trop sensible, comme toutes les femmes. Les femmes ne sont pas faites pour faire la révolution. Oh, je sais ce que tu penses des femmes, mais tout de même, je sais que parmi les guillotinés, il y a nombre d'innocents. Le peuple que tu te réclames le sait, et de jour en jour tu perds des soutiens parce que chaque famille aura un de ses membres raccourcis. Le peuple dont tu te réclames. Ah, tu relèves mes fautes de français. Prends garde que je ne relève tes fautes politiques. La terreur est un moment passager qui aura un terme. Bientôt la liberté et le bonheur triompheront. Et au regard de ce bonheur, la souffrance des veuves et des orphelins s'atténuera. Qui pensera à ces morts dans un siècle? Chaque jour, on voit passer des charrettes et rien ne s'améliore. Tu le sais aussi bien que moi. Au moindre rien, on est suspect. L'un prononcera le nom Jésus, suspect. L'autre refusera de crier « Vive la République !» Suspect. Encore suspect celui qui appellera quelqu'un monsieur. Une bigote ira aux vêpres, suspecte. Un valet aidera son maître, suspect. Tous suspects. Un homme m'a dit « Tant plus ils sont enragés, tant plus je dis comme eux pour ne pas avoir l'air suspect. » Tu te rends compte? C'est la course au plus exagéré. La peur, Maximilien. Toi et tes sbires avaient fait de l'homme une peur sur pattes. Bientôt, ce sera fini. Ces horreurs cesseront, et le soleil se lèvera qui effacera tout pour des siècles. 3 générations, et on ne se souviendra plus de la guillotine. Je m'en vais. Tu n'entends pas, et je ne sais plus que dire. Nous ne sommes pas sur le même chemin, et ces chemins ne se croisent pas. Tu es emporté par les talons que tu as montés, et tu n'es plus maître de ta monture. Attends, Augustine. Quand je te reverrai, tu comprendras. Quand tu me reverras ?
Je serai en deux morceaux. À quelle partie t'adresseras-tu? Je t'ai promis. Acte 4. Sur le banc. Dis-moi. L'orage va éclater. Je le vois bien. Ou je triomphe ou je disparais. Combien de morts encore pour que tu triomphes? Cesse de compter les morts. Seul l'avenir des vivants compte. Je pense à tes amis, ceux que tu as envoyés à l'échafaud. Encore? Il n'y a pas d'amis en révolution. Pourquoi Camille Desmoulins? Pourquoi Lucie sa femme? Tu as pensé à leur enfant? Ton filleul que tu as tenu dans tes bras? Tais-toi, tais-toi. Que vaut un homme, une femme, quand il s'agit du bonheur de tous? Camille, je l'ai défendue jusqu'au bout. Puis j'ai fermé les yeux pour ne pas voir. J'ai serré les dents. Mais il a été un des premiers à s'être levé. Vous avez vécu les mêmes espoirs, les mêmes peines, en fermant les yeux. Que ne voulais-tu ne pas voir? Il y a des choses qu'une femme ne peut pas comprendre. Non, je suis trop bête, bien sûr. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas, c'est tout. On ne dit pas que les femmes ne peuvent pas comprendre. Tu as tué tes amis. Tais-toi, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Il y a plus haut que moi, il y a plus haut que l'amitié. Et puis, je ne suis pas seul à décider. Le matin, il m'arrive de trouver sur la liste des suspects des noms inconnus. Tout va si vite et se précipite, au point que plus personne ne sait qui a fait quoi. Nous sommes une bête à 24 bras qui s'agite en tous sens, et je peine à brider cette bête. Une hydre? Non, l'hydre, c'est la contre-révolution. Cesse de m'importuner. L'équilibre, Augustine, l'équilibre. Pour passer le pas, il faut garder l'équilibre. Un jour, j'ai joué ma vie au dé. J'étais sur une rive d'un torrent rendu furieux par un terrible orage. Soudain, un arbre est tombé, les racines d'un côté et sont faites de l'autre. Un seul passage, ce tronc étroit. J'aurais pu attendre que les eaux se calment. Non, j'ai voulu passer. Pourquoi? Je savais qu'en chutant, j'aurais été emporté Dieu sait où, en enfer sans doute. Je me suis dit, où tu vis, où tu meurs. Comment un enfant peut-il penser ainsi? Les deux pieds sur le tronc, j'ai écarté les bras. Et ainsi, recherchant sans cesse l'équilibre, mes pieds ont avancé lentement sous mes pieds. L'eau bouillonnante m'appelait, prête à me dévorer. J'ai fixé l'horizon au-dessus duquel le ciel grondait. J'ignorais s'il m'encourageait ou s'il me sermonnait. Mon cœur battait si fort qu'il semblait répondre au grondement du ciel. Et franchissant ces eaux tumultueuses, j'ai finalement atteint l'autre berge. Et mon père n'était pas là pour me voir, me féliciter. Rien. Seul, soudain, le voile nuageux s'est déchiré et a laissé apparaître un faisceau de lumière. On eût dit que l'être suprême m'envoyait un message. Moi, je suis là, je t'ai vu. Que veux-tu me dire? Peut-être qu'on ne cesse de jouer au dé. Je me vois aujourd'hui sur terre, bras écartés, le corps tiraillé, tenant les longes de deux chevaux. L'un, le cheval fou du peuple abusé par des infâmes, et l'autre, le cheval de la corruption. Et je vais droit devant, presque écartelé. Comprends-tu? Cet équilibre est si difficile à trouver. Une fois le guet passé, la République sera sauvée. Tu te donnes de bien grands défis. C'est en remerciement à ce faisceau lumineux venu du ciel que tu prépares la fête de l'être suprême? L'être éternel, suprême. Cet être qui m'inspire, qui influe sur le destin des nations, qui veille sur la révolution, voilà un sentiment qui m'est nécessaire. Pourquoi crois-tu que je me sois élevé contre les excès de la déchristianisation? Les déchristianisateurs voulaient jeter l'éternel avec les rebuts des privilèges. Sans cet être éternel, seul avec mon âme, comment aurais-je pu soutenir des travaux qui sont au-dessus de la force humaine si je n'avais point élevé mon âme? Qu'as-tu? Je te vois triste. Je ne pense pas au ciel, je pense à la terre. Je suis terrienne et je vois Camille, Julie et les autres monter à l'échafaud. Et je vois ceux qui pleurent leur mort. Tu es bien une femme. Cesse de geindre, crois-tu que je sois insensible? Que sais-tu de ma souffrance? Je savais qu'il faudrait que je perde ce que j'avais le plus cher. C'est ma part de sacrifice. Et puis le temps passe et on s'en remet. Un de mes voisins a eu, il y a très longtemps, le bras arraché par une charrette. La douleur a été si grande qu'il s'est évanoui. Oui, il a souffert.
Mais il y a peu, lorsque je suis allé à Arras, je l'ai vu aller bien. Ce fut une souffrance passagère. Un bras en moins, mais une vie sauvée. Voilà. Des hommes tombent pour que d'autres puissent vivre mieux. Rien de plus. Mais les Vendéens, mon cousin de là-bas nous a envoyé une lettre. Tu sais, ils voulaient juste ne pas aller à la guerre. C'est l'embrigadement qui les a fait se rebeller. Comme toi, ils ne voulaient pas de cette guerre. Il m'a dit, nous, on veut travailler nos champs et nourrir nos enfants, pas mourir au combat. Et toi, tu as cru qu'ils étaient contre la révolution. Tu te trompes. C'était la pieuvre de la réaction qui voulait broyer la République. Tu ne connais rien à la politique. Oui, mais je connais mon cousin. Tu ne cesses de mettre le doute. Je n'ai pas besoin de ça. Comprends ce que je cherche, Augustine. Ce que je cherche, ce qui n'est pas réglé et qui demande des efforts de réflexion, c'est le problème du gouvernement. Sa solution est peut-être le chef-d'œuvre de la raison humaine. Le principal objet des lois constitutionnelles doit être de protéger la liberté publique contre les usurpations de ceux qui gouvernent, tu comprends ? Le gouvernement est institué pour faire respecter la volonté générale. Ceux qui gouvernent ont une volonté individuelle. Ils tendent naturellement à leur intérêt particulier. Tu vois ces deux forces contraires qui tiraillent les hommes ? Il faut donc que la loi les ramène sans cesse à l'intérêt commun, et qu'elle ait la force de confondre le magistrat avec la République. Mettre la clé de voûte de l'arche construite par Jean-Jacques Rousseau. Voilà mon dessein. Et si je n'y parviens pas, qu'au moins mon message survive. Il survivra d'autant mieux que j'aurai été pur. Je donne ma vie pour permettre cet achèvement. J'ai déjà entendu ça quelque part. Jésus a donné sa vie pour sauver les hommes, mais lui n'a tué personne. Ne te moque pas. Mourir n'est rien quand la mort peut être féconde. Qu'auras-tu fécondé ? Le bonheur de l'humanité ou une dictature en habit de vertu ? Dictature passagère. Le temps que tout se remette en ordre. Qu'as-tu ? Tu trembles ? Mon corps me joue des tours. Il m'entrave, ne m'obéit plus. J'ai passé 10 jours allongé et voilà que mes douleurs reprennent. Quelle est cette maladie ? Je l'ignore, mais elle me déséquilibre. J'espère qu'elle ne m'emportera pas avant que je n'ai accompli mon œuvre, avant que je n'ai passé le gué. Maximilien demande beaucoup à Robespierre. Maximilien a passé le gué et Robespierre entrevoit déjà la lumière perçant les nuages. C'est de bon augure. Tu me parles de choses si intimes que je ne peux pas t'aider. Tes souvenirs, ton corps malade. Peut-être que tu devrais écouter ton corps, écouter ce qu'il te dit. Le doute m'est interdit. Et toi, tu instilles le doute. Tu ne sais rien et pourtant tu parles quand même. C'est en parlant que j'apprends. Tu es une drôle de femme. Je n'ai connu qu'une femme de chair et de la pire des façons. Je n'ai connu qu'un homme et de la pire des façons. Je sais. Contrairement à toi, rien de ce que j'ai fait n'était forcé. Une femme légère. J'ai senti un vide qui m'aspirait au point que j'ai craint de disparaître. Jamais plus je n'ai essayé. Les corps sont décevants. Toute mon énergie, je l'ai mise dans les choses sublimes et éthérées. J'en ai tiré bien plus de bienfaits et moins de tourments. Mais jamais ce vide de ces corps qui exhalent leur humeur. Que faire ? Que faire ? Je suis à bout, Augustine. Il ne me reste pour arme que la peur. Mes mots ne se gravent plus. À la fin, quand on ne sait plus, il ne reste que le hasard. Jeter mes dernières forces comme une mère qui meurt en mettant au monde son enfant. Lui vivra. Si tu deviens dictateur, la postérité te haïra. Si tu meurs sous les coups de tes adversaires, elle t'admirera. Ne dis rien, Augustine. N'écris rien de ce que nous avons dit. Parole ? Parole. Ouais, c'est beau, hein ? C'est très beau. Ouais. Ah, pour une première lecture, on ne fait pas trop de chiasse. Enfin, je veux dire...